attention. Non. Attention. À trois, vous déchaînez les enfants. Elsa est doué la l'immédiat. Allez, allez. Oh, faites-moi vivre cette scène, voyons. Oh là là, là mais c'est un truc. Alors, Lali, je t'invite. Attention ici, Elsa, juste là. Allez, vas-y. Bien, bienvenue. Normalement, tu as ton micro juste là, entre le côté professionnel et le côté fan, c'est très difficile. Je te le dis parce que... Je vais t'aider. Tu as quand même bercé mon adolescence, donc ça fait quand même quelque chose de voir des personnes que tu as regardées pendant des années et des années, et de voir enfin... Donc voilà. Orantange, ouais. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Un très joli village où on a eu un accueil extraordinaire. J'étais avec Jean-Paul Césari. Ouais. Super journée, c'était vraiment très bien. Je suis ravie de te retrouver ici avec toi. C'est aussi important de trouver une convention ensemble. Voilà. Vous devez en avoir qui connaissent cette histoire. Je suis tombée par hasard. En fait, je faisais de la danse, du mannequinage, j'accompagnais une copine pour un casting. Je passais un casting pour passer un rôle. Et moi, je me suis inscrite pour faire de la figuration. Puis on m'a dit, puisque tu es là, écoute, passe le rôle, essaye. Et moi, je n'avais pas d'expérience du tout dans la comédie. Et j'ai été retenue. Et depuis, d'ailleurs, j'ai pris des cours de diction, de comédie dans des grandes écoles. Et voilà, mais c'est vraiment un hasard. Oui, oui, souvent, il y a beaucoup de gens qui travaillent comme des dingues pour la comédie. Il faut du travail pour la musique. La musique, la danse, il faut énormément travailler, mais malheureusement, ce sont des métiers où aussi il y a des concours de circonstances, vous tombez sur la bonne personne au bon moment, et le travail, quelquefois, ne suffit pas, ou alors, quelquefois, on a le hasard. Voilà. Très bien, merci. Même cas de figure. Mais on est parfait, en tout cas, pour notre bonheur à nous, merci encore.